Je m'appelle Patrick Rosselot, j'ai 63 ans, je suis le directeur de la société PEM que j'ai créée il y a 36 ans. Nous sommes investis dans l'alternance depuis 1980. En 36 ans, on a formé plus de 250 jeunes. Et donc, dans le lot, quelques personnes avec un handicap. On avait un manque crucial de personnel qualifié dans les métiers en tension, les métiers techniques. Et l'alternance a été la porte grande ouverte sur une réussite assez sérieuse. Aujourd'hui, c'est quand même les deux tiers de l'effectif. Je m'appelle Romaric, j'ai 23 ans. Je suis en CDD chez PEM. Grâce à M. Rosselot, j'ai fait mes 3 diplômes et maintenant je fais un contrat CDD. La rencontre de Romaric s'est faite de façon tout à fait fortuite. Ce jeune était en cours de formation avec une entreprise qui avait déposé le bilan. Il a su se vendre et me donner l'envie de lui permettre de terminer ce cycle de formation. Il avait encore un an à faire avec son école. Le premier diplôme qu'il a fini chez nous n'était pas un diplôme qui correspondait à nos métiers, c'était un diplôme plus rattaché au bâtiment. Et je lui ai proposé l'opportunité de passer un CQPM de tuyauteur qui correspondait pleinement à notre métier. Après l'obtention de son CQPM de tuyauteur, il avait la possibilité de faire un CQPM d'opérateur en chaudronnerie qui était une étape de plus. Il a joué le jeu tout de suite et avec bonheur parce qu'il a eu aussi ce troisième CAP. J'ai préféré avoir aimé l'alternance pour bien commencer. Il y a des avantages en alternance. Comme des personnes qui peuvent bien t'expliquer, bien travailler, et puis le patron est content. Quand j'ai décidé d'embaucher Romaric, je craignais un petit peu le côté un peu mise en boîte des chaudronniers, puisque c'est quelqu'un qui avait un certain retard à la compréhension. J'en ai discuté avec eux avant, j'ai ressenti que les gars étaient très réceptifs. Comme je suis arrivé ici, et ben, tout le monde m'a pris comme une personne normale, puis tout le monde m'a apprécié. Ça s'est bien passé puisque 3-4 mois après, il est devenu un peu la mascotte de cet atelier-là. Par son sourire et par sa gentillesse, il est complètement intégré chez nous. C'est vrai qu'on passe des fois un petit peu plus de temps à lui expliquer quelque chose, mais une fois qu'il a compris, il n'y a plus aucune différence avec un autre salarié.